Bienvenue dans un vignoble très lointain qui se trouve en Belgique. En Belgique, près de Namur, entre Namur et Gembloux, à La Bruyère, domaine La Falise. Alors ça fait quelques années qu'on nous parle des domaines belges, qu'il y a très bonnes choses qui se font, etc. Je pense qu'au début c'était pas très vrai, mais c'est normal, hein, il faut le temps de prendre ses marques. Mais depuis maintenant une petite décennie, on voit de plus en plus de choses très intéressantes qui sont élaborées ici. Donc, eh ben, en tant que sommelier, on prend notre bâton de pèlerin et on va un peu visiter ce qui se passe et surtout déguster. Alors, j'ai ici, alors je peux le dire parce que ça n'engage que moi, sûrement le meilleur vin blanc que j'ai dégusté élaboré en Belgique. Donc, le domaine de la Falise, la cuvée 2018. En chardonnay, donc c'est du chardonnay comme en Bourgogne. Le vin est remarquable, donc c'est un domaine qui vient de naître, je vais dire, dans quelques années, puisqu'il faut le temps que les vignes produisent. Il y a encore plein d'idées en suspens ou en devenir. Cette année, ils vont vendanger pour la première fois les Savagnins, où ils vont faire une vinification classique sur des Savagnins et pas aller sur l'oxydation, je pense. Enfin, Alice, l'œnologue qui est sur place et qui suit le domaine, me disait que. Elle se tâtait encore, mais je pense que ça va aller plutôt sur une vinification traditionnelle. En tout cas, j'ai appuyé dans ce sens-là parce que pour moi, c'est par là qu'il faut aller. Ils ont un petit peu de pinot noir planté. Ils ont essayé, sur les millésimes précédents, de faire un élevage particulier et tout ça. Et il y a vraiment de belles réussites, mais ce n'est pas encore à la vente. Pour l'instant, il n'y a que cette cuvée qui est proposée à la vente. Ce n'est pas beaucoup de bouteilles, hein, c'est quelques centaines de bouteilles, mais c'est vraiment remarquable. Donc moi, je préfère aller, ça coûte un petit peu hein, quand on prend les bouteilles, mais je préfère aller sur un vin belge où quand on le sert à l'aveugle, on dit waouh, c'est bon, qu'est-ce que c'est? C'est du Chassel-Montrachet, c'est du Puligny, c'est... Non, c'est un vin belge, là c'est bien. Je préfère aller dans ce sens-là plutôt que de présenter la bouteille et dire c'est un vin belge, où tout le monde se sent un peu obligé de dire que c'est plutôt pas mal parce que c'est un vin belge. Non, là c'est le contraire, c'est notre démarche à nous. On goûte, on se dit que c'est extraordinaire, et puis après on regarde, ça vient de Belgique, on se dit waouh, et ça vient de Belgique en plus. C'est comme ça que ça doit aller. Donc c'est vraiment un domaine que je vous recommande à visiter, à découvrir et mettre quelques bouteilles en cave parce qu'à mon avis, elles vont s'arracher de plus en plus. Voilà, bonne découverte, à bientôt, au revoir.